vraiment le promoteur d'une application qui est aussi intéressante que Perfectal, qui s'appelle Mobinawa, et qui est développée par GTS Infotel Cameroun SA. Alors, président, d'où part l'idée de la création de Mobinawa pour que le public puisse comprendre d'où est parti l'idée et où nous en sommes aujourd'hui avec cette application Mobinawa? Oui, le projet Mobinawa est né, on va dire, il y a à peu près 3 ans. Oui, on va dire 3 ans, tout simplement. C'est parti d'un seul constat. C'est qu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Et les entreprises doivent être présentes effectivement dans cette nouvelle ère qu'est le numérique. Et quand on dit numérique, en réalité, on parle de 3 canaux principaux. Une entreprise doit être présente sur le web, c'est-à-dire à travers son site web. Une entreprise doit être présente sur les réseaux sociaux, donc à travers les pages Facebook, Twitter. Et une entreprise doit être également présente et surtout, dans le contexte actuel, surtout présente dans le mobile. Donc, il est dans le web, il est dans les réseaux sociaux. Avoir les applications. Alors, être présent dans le mobile veut dire quoi? Aujourd'hui, pour une entreprise, c'est d'avoir une application mobile. Généralement, ça se traduit par avoir sa propre application mobile. Il va développer une application, il va mettre dans les stores. Donc, c'est assez coûteux. C'est un process extrêmement lourd. En tout cas, en Europe, la plupart des entreprises, effectivement, ont toutes, de plus en plus, chacune se dote de leur propre application et mettre les moyens qu'il faut pour faire la promotion de cette application-là pour que les usagers puissent les télécharger dans leur smartphone. Alors, en Afrique, on constate que la plupart des consommateurs n'ont pas de smartphones déjà de grosse puissance, de grosse capacité. Téléphone 2G. Non, pas 2G, on est dans la 3G de toute façon. On est déjà dans la 3G. Ah oui, si vous parlez du téléphone. Téléphone, c'est-à-dire que vous appelez les SMS, permettent d'appeler simplement. Non, on est dans les téléphones qui permettent de faire de l'internet de toute façon. Pour pouvoir installer une application mobile, il vous faut de l'internet mobile, dans tous les cas. Donc on est dans la 3G au moins. Au mieux, on est dans la 4G. On va dire ça comme ça. Donc, disons que les réseaux sont... Nous parlons des abonnés mobiles qui ont Internet déjà. C'est de cette cible-là qu'on parle. Les mobinotes, autrement dit. Donc, pour ceux-là, ils ont un problème déjà avec leur téléphone. Le téléphone ne peut pas télécharger toutes les applications qui existent, qu'il aimerait pouvoir utiliser. Donc nous avons pensé à une solution qui se dit, au lieu de télécharger toutes les applications, ben, il faut télécharger une qui serait dans le portail des autres applications mobiles. Donc ça, c'est une des raisons qui justifie l'application Mobinawa. Donc derrière Mobinawa, l'idée c'est que toutes les entreprises se retrouvent dans Mobinawa et une présence mobile, si vous voulez, dans Mobinawa, au lieu d'être dans WhatsApp. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'entreprises sont présentes dans le mobile à travers WhatsApp, puisqu'ils commencent à communiquer avec WhatsApp. Mais il se trouve que WhatsApp a des services extrêmement limités. WhatsApp ne permet de faire que la communication. WhatsApp ne permet pas d'accéder aux services numériques de l'entreprise. En quelque sorte, vous proposez un WhatsApp amélioré. On propose un WhatsApp pour que tout le monde comprenne. C'est effectivement un WhatsApp qui permet de communiquer entre de personne à personne, mais qui permet également d'accéder aux services numériques de l'entreprise, de toute entreprise qui est présente dans le mobile. Donc une entreprise qui opère sa transformation numérique doit être présente dans le mobile. Même si elle a sa propre application mobile, ça n'empêche pas d'être présent également sur Mobinawa pour permettre à ceux
qui ne peuvent pas télécharger l'application, de pouvoir accéder à leur service numérique depuis Okinawa et de manière sécurisée. Parce que le fait d'accéder à la plateforme, justement, il a parlé des hackers. Évidemment, on est dans un monde où il y a un risque, le risque de hacker les plateformes ne va que s'accroître. Va vraiment s'accroître. Et c'est un des, je crois, c'est un des freins qui fait que les entreprises ont du mal à franchir le cap. Parce qu'ils se disent, ah, leur plateforme, ce n'est pas chez eux, c'est dans le cloud. Est-ce que ce ne sera pas hacké? Évidemment, il y a ce risque qui pèse, qui fait qu'il y a un frein à aller dans le cloud. Avec Okinawa, nous estimons qu'à partir du moment où il ne communique pas son adresse URL, comme on dit dans le jargon, on accède à la plateforme sans connaître l'adresse du site web. On peut appeler l'entreprise même sans connaître son numéro. Donc, avec Okinawa, c'est la facilité d'utilisation, la facilité de communiquer et la facilité d'accéder au service numérique de l'entreprise. Alors, Président, j'avais une question concernant ces perspectives-là, concernant les solutions que vous voulez. Quelles sont les solutions principales que vous voulez pour que tout aille mieux dans ce secteur-là, que les acteurs du secteur que vous êtes, les opérateurs de l'entreprise, mettre en œuvre leurs solutions au niveau de vente de manière efficiente? Oui, alors, disons qu'en attendant que les opérateurs consommés nous donnent cette interconnexion-là, de place aux opérateurs, n'est-ce pas, nous avons, comme je l'ai dit précédemment, nous venons de mettre sur pied donc, cette application de l'Ordre. Donc, nous lançons la phase pilote à l'occasion de notre route de cette application de l'Ordre. J'invite donc à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, à la télécharger l'application. C'est avec la même expérience que l'utilisateur, que le WhatsApp, mais ils seront surpris de découvrir énormément de fonctionnalités parce que Okinawa s'utilise comme une solution grand public, mais c'est aussi une solution pour les professionnels. Donc avec l'application Okinawa, vous pouvez recevoir les appels professionnels directement sur l'application Okinawa à travers un serveur vocal virtuel que nous fournissons pour que l'accueil téléphonique des entreprises soit un accueil professionnel. Donc voilà le package que nous offrons aujourd'hui en ciblant le marché des entreprises qui veulent se lancer dans le numérique et en ciblant les abonnés qui ont Internet sur leur smartphone. Ils peuvent leur facilement, à partir de Okinawa, communiquer déjà entre eux, mais surtout à travers la page Okinawa de l'entreprise, n'est-ce pas, téléphoner à l'entreprise, accéder via le serveur vocal de l'entreprise, à toute personne de l'entreprise, ou envoyer un SMS, ou alors accéder au service numérique, donc c'est ce qu'on appelle l'accès web app, l'application de l'entreprise, la version web, l'application mobile de l'entreprise. Ce qu'on appelle le canal web app. Donc voilà, et c'est là qu'on ouvre la porte aux développeurs, aux start-upers qui peuvent développer des applications métiers, des applications derrière chaque entreprise. Parce que c'est tout secteur confondu. Okinawa va héberger toutes les entreprises de tout secteur confondu. Donc si on prend le secteur des professions libérales comme les avocats, la question c'est comment un avocat peut développer son portail, sa web app, et quels sont les services que l'avocat peut offrir depuis le téléphone mobile. C'est pareil pour le médecin, la profession libérale. Un médecin, à travers la web app, parce qu'il n'a pas les moyens d'avoir sa propre application. Donc derrière Okinawa, nous allons développer un écosystème avec les start-upers qui pourront, à travers Okinawa, proposer leur propre service. Soit mis en place, quelles sont les solutions, les recommandations que vous faites au gouvernement pour que effectivement tout soit OK et ça fonctionne de manière efficiente? Alors, je vous ai dit qu'on a un plaidoyer en préparation. Je ne vais on pas rentrer ici de manière dévoiler tout ce qu'il y a là-dedans. Oui, mais je ne fais pas ça.
comme ça. Non, écoutez, le principal axe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le constat aujourd'hui, c'est que les opérateurs, les petits opérateurs licenciés que nous sommes, nous n'existons pas encore. Donc la question, c'est comment faire pour que nous puissions enfin exister et mettre sur le marché une offre de numéros, par exemple, les numéros virtuels à préfixe 8, qui sont prévus dans le plan national de numérotation depuis 2004. C'est prévu dans le plan, les numéros virtuels à préfixe 8. Et c'est les numéros pour les entreprises, pour les standards téléphoniques des entreprises, pour le service client de l'entreprise, de manière à ce qu'une entreprise puisse être identifiée avec un seul numéro qui supporte les services voix, les services SMS et les services USSD. Donc voilà concrètement une offre innovante que nous sommes prêts à offrir sur le marché des entreprises et qui nécessite donc cette interconnexion avec les opérateurs.